Salut tout le monde, donc aujourd'hui on répond à la question de Mila de Eupen qui m'a demandé ce que c'était une charge virale indétectable. Et donc pour répondre à cette question, j'ai invité le doc. Alors doc, dis-nous, c'est quoi une charge virale indétectable? Salut Capotman, salut Mila. Mais voilà, en fait, la charge virale, c'est la quantité de VIH qu'il y a dans le corps, donc dans le sang d'une personne. Donc ça, on la mesure avec une prise de sang. Donc au plus il y a du VIH, de virus dans le corps, au plus la charge virale est élevée. Grâce aux traitements médicaux actuels, en fait, la quantité de VIH dans le sang va diminuer jusqu'à arriver à un certain seuil qu'on dit indétectable, puisque en fait, c'est sous le seuil de détection des analyses en laboratoire. Ah, tu veux me dire que le VIH finit par disparaître? Non, pas complètement. En fait, il reste vraiment une toute petite quantité. Donc, la personne séropositive reste porteuse du VIH, mais en tellement faible quantité qu'elle ne peut plus le transmettre. Ah bon? Ah. Donc, une personne vivant avec le VIH qui prend bien son traitement ne transmettra plus le VIH. Non, et ça, c'est vraiment formidable. Donc, non seulement elle ne transmettra plus le VIH, donc c'est de là qu'on parle de charge virale indétectable, donc indétectable égale intransmissible, le VIH ne peut plus être transmis. C'est génial parce que je suis une personne séropositive, je prends bien mon traitement et je ne suis plus contaminant. Oui, alors bon, c'est pas aussi rapide que ça. Il faut environ 6 mois pour arriver, 6 mois de traitement pour arriver à ce niveau de charge virale indétectable. Mais une fois qu'on y est, tant qu'on continue à prendre son traitement, il n'y a pas de souci. Même lors d'un rapport sexuel sans préservatif, il n'y a aucun risque de transmettre le VIH. Ah bah, I=I, c'est vraiment une révolution pour les personnes vivant avec le VIH et leur entourage en soi. Ah ouais, c'est vraiment un gros changement. Merci Doc. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous. Prenez soin de vous.